La première des choses à faire, on sait très bien qu'il faut expirer durant la contraction, c'est-à-dire là. Ok? La deuxième des choses, on sait très bien qu'il faut garder le bas du dos collé par terre. Boum. Troisième des choses, on va faire des crunchs à l'envers. C'est ça le deuxième exercice. Vous allez mettre les mains au-dessous du popotin, arrondir le dos, ramener les jambes en haut. Contraction.